pas si c'est le printemps qui veut ça, mais je trouve qu'on devrait terminer toutes les petites bricoles de la maison. Oui, tu as raison, ma chérie. Je crois qu'on a repoussé ça bien trop longtemps. D'abord, il y a le grenier qui a besoin d'un grand nettoyage et... Je sais. Oh, t'inquiète pas, j'ai tout noté dans ma tête. Je vais m'en occuper tout de suite. Formidable. Moi, je file à la mairie. Il faut que je travaille sur un dossier avec Thérèse. Si tu savais comme ça me barbe quand je vois le temps magnifique qu'il fait... Dis-moi, à quoi tu joues, Gérald? Tu fais ton Jones avec tes écouteurs? Oh, non! C'est simplement Jade qui a oublié son lecteur MP3 hier et... Tu peux pas savoir ce que j'adore bricoler en musique, moi! Hey! J'adore, c'est trop génial comme jeu. Dis donc, pourquoi tu joues pas avec nous à Scarfax 3, Mimi? Vroom vroom, ouais, youpi, je suis le meilleur. N'importe quoi. Et puis c'est trop débile comme jeu, c'est un jeu de garçon. Oh, l'autre, elle commence la pète. Alors à quoi tu veux jouer, toi? Bah, on a qu'à jouer au papa et à la maman. Elliot, tu fais le papa. Et moi, comme par hasard, je fais la maman. Et Ketou, c'est notre enfant. Alors là, on dit qu'on va aller faire des courses au supermarché. Ah, c'est complètement nul, c'est un jeu de filles d'abord. Bonjour, madame, j'aurai un paquet de cornflakes. C'est même pas comme ça qu'on joue. Hey, mais c'est quoi ce bruit? Bah, je sais pas. Venez, on va aller voir. Bah, c'est quoi ce charnac? On joue plus au papa et à la maman? Là-haut, on dirait que ça vient du grenier. Papa? Maman? Eh, mais c'est peut-être un monstre. Ou peut-être un fantôme. Un monstre ou un fantôme, c'est pareil. Moi, je dis le plus prudent, c'est de le laisser tranquille. Eh ben, t'as qu'à aller jouer au supermarché dans la chambre. Ouais, super drôle. Et si c'est un alien, on fait quoi? Papa? Maman? Venez, il y a personne. Bah, tant mieux, hein. Tu vois quelque chose, Elliot? Non, mais c'est bizarre qu'on entende du bruit alors qu'il y a personne. Ben, c'est que c'est pas un monstre. Un monstre, ça fait un bruit de malade. C'est un fantôme, alors? Même qu'il est déjà là. Mais attendez-moi les potes. Non 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 non. Non 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 non. Non 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 non. Et pourquoi c'est moi qui passe en premier d'abord? Bah parce que y a toi qui a des lunettes. Et si y a un fantôme, tu le verras bien mieux que nous. Tu me prendrais pas pour une idiote par hasard? Ce fantôme, il commence drôlement à m'énerver. Et puis il a pas le droit de s'installer comme ça chez moi. Là-dedans, il est là-dedans, le fantôme. Je vous préviens, je rentre pas là-dedans, moi. Je rentre chez moi. Tu peux pas faire ça, le fantôme, il a peut-être un copain. Et son copain, il est peut-être chez toi. Je veux bien rester ici, en fait. Mais je suis pas sûr qu'il ait un pote, le fantôme. Bon, mon pote, toi, tu t'occupes de la maison d'à côté pendant que moi, je reste ici. Comme ça, ce soir, on aura chacun une maison. Elle est pas belle, la vie. Oui. Oh là là, ce fantôme est sûrement quelque part. Faut le chercher. On n'a aucune chance de le retrouver. Je crois que t'as raison. Un fantôme, ça disparaît comme ça veut. C'est ça. Si on avait continué à jouer au papa et à la maman, bah ce serait jamais arrivé. Oh, vas-y, arrête-toi, c'est un jeu de cul. Ouais. La la la, la la. Oh, mais c'est pas vrai. Vous avez entendu, il est en bas maintenant. Biba, pitoula, titoula. T'es vraiment sûr que c'est pas ton papa? Papa? Papa?
Si c'était papa, il me répondrait. C'est bizarre, un fantôme, ça passe à travers les murs. Pourquoi il ouvre et il ferme les portes comme ça? Il a un problème avec les portes ou quoi? Bah, moi, je m'y connais pas trop trop en fantôme. Il fait ça rien que pour nous fiche la trouille. Il veut se débarrasser de nous. Venez. C'est vrai qu'il est super énervant quand même. Tu m'étonnes, en plus tu chantes comme une casserole. Il reste plus qu'à aller voir dans la cave. Maman, papa. Arrête de crier, Yacht, le fantôme il va finir par nous repérer. Machine. Regardez, elle marche toute seule. Tu crois que c'est le fantôme qui fait sa lessive? Ça, c'est fait. C'est un fantôme qui ferme les portes et qui lave ses vêtements. Tu veux dire que quand on est fantôme, on est encore obligé de laver ses fringues? Bien sûr. Enfin, c'est super salissant d'être un fantôme, quoi. Bon, moi, je suis pas d'accord que le fantôme, il s'installe chez moi. Et puis, c'est la machine à laver de chez nous, pas la sienne. T'as raison. Pour qui je prends ce drap? Ça fait pas d'utiliser la machine des gens. Mais c'est clair, c'est super mal poli. Écoutez-moi bien, tous les deux. Ce fantôme, il s'installera pas chez moi et il jouera pas avec mes jouets. On y va. Dites-moi, Thérèse, vous ne trouvez pas que c'est tout de même rageant de travailler enfermé alors qu'il fait un temps magnifique dehors? Oh, c'est sûr, mon amagoïde. On serait mieux dehors siroter un petit cocktail de fruits. Et comment qu'on fait pour attraper un fantôme? Bah, comme avec les souris, tu vois, on la tire dans un piège, paf! Avec des tartines de chocolat. Ça, c'est dingue. Et pourquoi est-ce qu'on l'aspire pas avec l'aspirateur et après on le met dans un sac à poubelle? Ouais, mais je sais pas où ils sont, les sacs poubelles. J'ai une idée, on va lui chatouiller les pieds. Les fantômes, ils détestent ça. Moi, pareil. De toute façon, c'est comme nous, un fantôme. Sauf que ça vole. Ah, c'est ça la différence. Tu veux dire que, bah, si je volais, je serais un fantôme. Mais c'est horrible, horrible, ça. D'ailleurs, c'est scientifiquement prouvé. Toutes les études montrent qu'on travaille beaucoup mieux dans une ambiance agréable. Bon propos, c'est seulement vrai si c'est les scientifiques qui le disent. Nous allons être merveilleusement bien dans mon jardin. Saviez-vous que l'on peut travailler jusqu'à 5 fois plus dans un environnement sans stress? 5 fois plus? Alors là, c'est beaucoup, hein, dites-donc. Mais vous entendez un peu tout ce bruit là-haut? C'est dingue! D'où est-ce que ça vient? Hey, il est dans ma chambre! On va voir ce qu'on va voir. Il va pas s'amuser encore longtemps comme ça. Ok, là c'est bon. Je crois que comme ça, il a aucune chance de nous échapper. Yes. Parfait. Je crois que là on est prêt. Il est fait comme un gros rat. Le voilà. Vite! Je vais préparer un petit rafraîchissement. On travaillera beaucoup mieux. Ah, ça, c'est une bonne idée, Madame Kitty. Et puis, c'est scientifiquement prouvé. On travaille beaucoup mieux avec un petit cocktail de fruits. Oh, j'y pense, dites-moi, je peux aller dire bonjour aux enfants? Oui, bien sûr, Thérèse. Je crois qu'Eliott est là-haut avec son père. Ils doivent certainement être en train de bricoler, tous les deux. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il est en train de faire? À
Allons, Elliot, où te caches-tu, petit ouais. Allez, aidez-moi. Génial. On l'a pris en piège. Bien fait. Au secours. Oh, Madame Kid, faites-moi descendre, je vous en supplie. Thérèse, surtout pas de panique, ne bougez pas. Maman, fais attention, c'est le fantôme. Elliot, c'est toi? Qu'est-ce que vous avez fait à Thérèse? Revenez! Revenez ici immédiatement! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elliot! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Faites-moi descendre, je vous en supplie! Mais je peux pas, Thérèse! Je peux pas, je suis collée! Oh, salut, Monsieur Kid! Super, vous avez retrouvé mon MP3. Ah, mais oui, ta musique de Chance. Ça décrasse les tympans, hein. Mais maman, puisque je te dis que c'était un fantôme. Faites excuse, Madame Kid, mais c'est vrai. Même qu'il joue à cache-cache. Ouais, c'est vrai. Et mamie, il a fait la lessive dans votre lave-linge. Madame Kid, je crois que je vais pas tenir bien longtemps. Je fais ce que je peux, Thérèse, je suis collée. Et vous pourriez peut-être enlever vos chaussures. Enfin, je dis ça, je dis rien. Vous avez écouté Toto Dragster? Oui, oui, le truc avec le solo ukulélé. J'adore, hein. Ouais, c'est du live, hein. Ils ont enregistré ça un soir de concert, il y avait personne, bon. Ah ouais. Oh, mais ça, c'est dingue. Ça s'entend pas du tout! Gérald! Jamais là quand on a besoin de lui!